Temps, je connais vraiment pas ce domaine, ça va être incroyable. Petite session de 72 heures, les gars. On va s'aventurer un petit peu dans le domaine, ça va être vraiment cool. Ça, c'est pas mal hein, quand même. Il y a des petits domaines un petit peu partout, des petits étangs à découper et tout. Petit chemin sympatoche. C'est cool. Ouais. Attends. Attends, je vais arriver au poste et puis je te prends tout de suite. T'es qui? T'es Alex. Ah, je suis mécano. Ça va ou quoi? T'es filmé? Ouais, tu vas passer sur le vidéo, mon copain? Ah, mais je te gueule de singe là-dessus. Alors là, pour au soir, j'ai mis une canne qu'à la graine. Sur mon cheveu, j'ai mis deux tigers et deux maïs collés au fond. Avec en amorce, j'ai mis tiger, maïs, chènevis, huile de chènevis. Sur la deuxième canne, j'ai mis banane kiwi avec un stick mix. Avec une pop-up, un bonhomme de neige banane kiwi. Et la troisième, j'ai mis pineapple, bi-pineapple écrasé avec une wafter pineapple et un petit peu de pelé poisson. Pourquoi pas une petite koi? Même une petite, ça nous va. Au moins faire notre poisson 2021 quand même. Puis voilà, merde quoi. Donc moi, je suis arrivé un peu plus tard dans la soirée. J'ai commencé à mettre mes trois cannes. Donc une à droite, une à gauche et une au milieu parce qu'on a un poste assez... un petit peu assez serré. À côté de ça, moi je vais pêcher ce soir, donc je fais pas trop de bruit parce que justement il y a pas mal de poissons sur là où on pêche. Moi pour ma part, je vais pêcher, alors j'ai mis trois techniques différentes. Je pêche au spinner rig, à la bille traditionnelle et au rig, mais du coup j'ai fait un petit montage fil dentaire avec un petit montage, on va dire, un petit montage traditionnel mais en fil dentaire sur un petit mérillon qui est un petit peu décollé, on va dire, de pas beaucoup finalement. Et finalement pour l'amorce, en fait, je me suis retrouvé avec très peu de temps pour la préparer parce que bon, il commençait déjà à faire noir, donc pour après placer les cannes, ça va être compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait finalement j'ai pris un seau, j'ai mis une bille Red Bull de chez Kowabe, donc la Kowabule. Donc j'ai pris en 2,5 kg, j'avais déjà fait des stories sur Insta pour en parler un petit peu, mais voyons voir, peut-être que ça peut sortir un joli poisson, on verra bien. J'ai mélangé ça avec une bille en vin de chez Nash à la fraise. Ça fait une petite Red Bull fraise assez sympa, mélangé avec un petit dip au bonbon de chez Go, de chez Corda. Donc on verra bien ce que ça donne cette nuit. J'espère qu'on va sortir un fish pour ma part ou bien même pour la part pour Mathieu quoi. Ça serait cool aussi qu'on sort une koi
un beau poisson trophée. Et puis voilà les gars, j'espère en tout cas qu'on va faire du fish. Je vais t'avoir un départ. Oh le con. Oh tanké. Putain. Ah, je pensais que c'était même pas moi en fait. Casse les couilles. Bon, ce soir il n'y a pas eu beaucoup d'activité sur le poste. Ce que je vais faire, c'est que du coup avec mon frère on s'est aperçu qu'en fait le poisson préférait la graine que la bille. Donc ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est qu'on va replacer les trois cannes au bateau, enfin deux cannes au bateau amorceur et une canne au bateau classique type Zodiac. Ce sera plus simple pour aller chercher les bordures
et pour amorcer, on va dire, plus précisément. Je vais quand même en laisser une en fait à la bille avec un petit additif bonbon comme d'habitude. C'est vraiment le but, c'est vraiment tester beaucoup de combos pour pouvoir trouver notre pêche en fait, tout simplement. Et en fait hier avec mon frère qui est juste là, hier en fait on a eu un départ, enfin mon frère, enfin plutôt ce matin j'ai eu un départ à 7h30. Ah ouais, pas mal. Ouais. Du coup on va utiliser ce genre de produit là sur la canne pour voir un petit peu si ça peut faire bouger quelques poissons. Ça fait quoi, il y a un temps pourri. Un temps pourri de merde. L'orage, de la pluie, ouais. Aucune touche. Ouais, il y a vraiment 6 litres d'eau qui est tombée d'un coup, quoi, c'est énorme. Oh, la tempête, mon copain. Oh, la tempête. Oh non. Oh, la tempête. Et ce matin, 7h30, grosse déroule sur la canne à mon frère. Donc, une canne à la graine. Et malheureusement, sur une bordure gauche, qu'il avait pressé. Mais en fait, malheureusement, il avait placé la canne à vraiment très très proche de la bordure. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de détanquer le poisson. Donc, c'est pas grave. Au pire, on va se dire qu'aujourd'hui, on aura peut-être un fish. On verra bien. Et du coup, on va replacer les trois cannes à la graine. Et mon frère, je pense que toi, t'as déjà fait quoi? Bah, moi, j'ai fait comme hier. J'ai mis une à la graine, une à la banane kiwi et puis une à la pineapple. Voilà. T'as vraiment rien changé à la stratégie? Non. Ouais, donc en fait lui il a pas changé. Mais d'un côté il a fait un départ, moi j'en ai pas fait. Si j'en ai fait un, j'ai eu une tirette au matin, mais pas grand chose en fait. Donc je vais remonter les cannes. Et on va faire deux cannes au bateau amorceur et puis une petite canne, une petite canne au Zodiac pour aller taper les bordures en face. Et j'ai placé beaucoup de graines, je pense. Fais gaffe parce qu'elle va te mettre dedans. J'ai vu sa queue. C'est bon, elle est partie. Ciao. Belle. C'est bien. Oh, elle est jolie. Oh ouais, oh ouais, elle est belle. Ah ouais. Ouais. Bah bien. Ça fait une belle déroule ou pas? Ah ouais, ouais. Je t'avoue, j'ai pas entendu moi. Ah, c'est parti à fond. À fond de balle. C'est parti pour le soir. Mais... Je crois qu'avec tout ce que j'ai amorcé en Zodiac, à l'appel. Mais c'est où ça? Pas de poisson, petite session capot pour moi, mais bon, c'est pas bien grave. Je reviendrai sur le domaine. Juste avant de partir, ce qu'on va faire, moi, là, bon, là, on va emballer les cannes, tout ça. J'ai encore le rod pod à. Oh, le son du beeper, putain, ça fait du bien de l'entendre un petit peu. Juste avant de partir, je vais vous faire voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font ici. Ils font de la repro, ils font... En fait, c'est pas qu'un simple domaine privé où vous pouvez venir pêcher toute l'année ou quoi. Ils font beaucoup de choses. Ils ont un magasin où ils vendent des produits de chez eux, des partenaires. Ils organisent des enduros aussi. Des organisateurs, on va dire, comme Starbait qui viennent, en fait. Et du coup, des moments, ils viennent comme ça, ils font des enduros. D'ailleurs, il y en a un qui commence la semaine prochaine, il me semble. Sur trois étangs différents, donc voilà. Donc moi, bah, j'aurais bien essayé tout. J'aurais essayé à la Tiger, j'aurais essayé au maïs, j'aurais essayé à la bille de chez Coabul, j'aurais essayé vraiment divers méthodes. Malheureusement, ça se résume à quelques bips dans la nuit et très très peu de poissons qui sautent. Donc apparemment, les collègues là, ils en ont fait une ce matin et une hier soir que je vous ai filmé. Malheureusement, j'ai pas les rushs de présentation, mais bon. Moi, on voit un joli poisson, c'est pas bien grave dans la vidéo. Le but, c'était pas forcément de enfin, si, le but, ça, c'était de sortir du poisson, mais après, voilà, on peut pas toujours en faire, et c'est la chance un petit peu aussi qui fait que on peut pas forcément tout le temps faire du poisson. Mais voilà, on va dire que on a rencontré des gens cool, un domaine sympa. Je vais vous faire voir
La repro qu'ils font, en fait, si vous voulez, ils achètent des petites coils, des coils japonaises, des coils européennes, des coils anglaises, je sais pas trop, mais j'y connais pas trop moi. Mais et en fait, ils font de la repro, et après ils les réimplantent dans le domaine directement. Donc je vais vous faire voir ça parce qu'il y a des sacrés spécimens, des jolis poissons en fait. Et ça sera même pour moi, je pense, la première fois que je vais voir des coils comme ça en liberté dans un étang de repro. Ça va être vraiment cool. Je pense qu'on va se faire un petit tour du propriétaire et on va voir un petit peu. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer par ce domaine là les gars, directement c'est côté de Beauvais, ça s'appelle le domaine de Noutétang. Il y a longtemps que mon frère m'en parlait parce qu'ils font des lives chaque jour, etc. Je suis peut-être un peu trop surexposé là, alors attention. Voilà, c'est un peu mieux là comme ça. J'étais un petit peu trop surexposé, on aurait dit que j'avais le soleil en pleine tête alors que pas du tout, incroyable. Mais voilà quoi les gars, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un peu le domaine des Noutétang. Là je vous ai présenté un petit peu les collègues qu'on avait rencontrés, ils ont fait 2-3 carpes, c'était plutôt cool. Voilà, ils pêchaient à la graine, moi aussi également je pêchais à la graine, mais voilà, mais j'ai pas fait de poisson, c'est les choses qui arrivent, voilà. On en fera cet été, c'est pas bien grave. Avec mon ami Benou, on va partir sur un étang. On n'a pas encore organisé ça, mais c'est un projet qu'on... Putain, vraiment, j'ai une tête de merde du matin, c'est incroyable. C'est un projet qu'on va organiser tous les deux. Et l'avantage d'avoir les cannes en l'air, quand même, c'est qu'on peut passer en dessous. Ça, c'est cool, quoi. Ça, c'est l'avantage. Donc voilà, les gars, je vais vous présenter le petit domaine. Je vais faire un petit peu le tour du propriétaire, voir un petit peu si je peux parler avec le propriétaire également. Si on peut avoir quelques informations sur ce qu'ils font ici. À savoir que c'est un plan d'eau privé, donc c'est payant, mais l'avantage c'est quand même que vous avez un domaine sympa avec des petits pontons, vous avez des options Zodiac aussi. Des options Zodiac qui peuvent être vraiment cool. Donc voilà. Fox. Ça c'est important les gars. Quand il fait très froid, achetez cette petite combinaison, la Winter Suite. Avec ça vous n'avez pas froid, c'est super cool. Donc voilà. Moi, je vous laisse les gars, je vais vous faire... Je pense que là je vais remballer tout simplement et par la suite on ira voir peut-être le magasin ainsi que le domaine des koi. Ça va être incroyable. Possibilité de faire des koi. Ouais. Très très facilement. Okay. Tu vois. Enfin très très facilement, il faut quand même aller les chercher. Je crois qu'il y en a encore une au fond. Plus, mais c'est bien pour les enfants parce qu'ils peuvent directement prendre leur première coille quoi finalement. Mais on est là pour éduquer un petit peu les enfants à la pêche aussi. Et moi je forme mes futurs clients, tu vois. Ça c'est bien ça. Mais aussi pour le plaisir des yeux, tu vois. C'est quand même sympa d'avoir un bassin comme ça à deux pas de chez moi pour faire l'observation. Et parmi tout ça, si j'en ai une qui sort de l'eau et qui a le potentiel d'aller dans les étangs, bah elle ira dans les étangs. D'accord, ok. Là-bas t'as un premier bras mort, ici t'en as un second. Venez chez nous Noutétang, tout simplement. Ici on est sur un projet très long terme déjà. On est sur quelque chose qui est vertueux, c'est-à-dire qui va servir à nous, à d'autres personnes qui vont s'intégrer au projet, mais aussi l'environnement. C'est aussi l'objectif de notre mission ici, c'est d'essayer de faire changer un peu les mentalités. C'est pour ça que moi je vis en tiny house et que je vais en faire venir plein d'autres. Ouais, t'as pas de maison quoi en fait, c'est vraiment... On a qu'une tiny house, tous les jours faut se battre pour aller chercher de l'eau, tous les jours faut se battre pour l'électricité. Tous c'est les ouf. Jours faut se battre pour vider ses toilettes, enfin voilà, c'est, pas mal, ouais. C'est une autre vie, mais je pense que si tout le monde prend conscience qu'on fait n'importe quoi, un jour ça ira beaucoup mieux sur cette planète. Il y a beaucoup de compétition, alors on en aura peut-être de moins en moins parce que je veux aussi donner la place à mes clients, ceux qui prennent des cartes Nooter par exemple.